Salut à tous, c'est Lovifou, on se retrouve pour une nouvelle. Bon, désolé pour le bruit, c'est mon neveu qui fait un bordel. Alors aujourd'hui, je vais aller au zoo, donc au cirque, pardon. Un gros cirque quand même, qui est déjà pas mal. Pour ceux qui connaissent, c'est Arlette Grus. Attention à mon neveu. Et donc voilà, je vais aller là-bas, donc je vais faire un petit tour. Et en même temps, je vais vous montrer les nouvelles lettres que j'ai achetées, des petites lettres pour faire décoration tout autour de mon bureau, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, bah, je vais vous ramener avec moi dans ce petit chemin. J'espère que ça vous plaît. Mettez un j'aime, abonnez-vous, partagez cette vidéo, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à tout de suite. Non, les aimants étaient toujours, c'est trop bizarre. Je commence maintenant. Laquelle? Celle tout en blanc au fond là. Je la vois. Du coup, il y en a une, elle a décollé ses mains. Respiration ferme et les yeux concentrés sur la voix. Votre tête est lourde et pesante. Et vous vous effondrez. Dormez là. Non, dormez là. Avancez-vous un petit peu. Arc de cercle, je vous prie. Elle est par terre. Elle bouge là. C'est non, c'est vrai, c'est pas vrai. Oh, dommage, je sais pas. Je peux plus en faire. Bon, ce serait tapé lente, ça serait pas marché. Ils auraient dû mettre un autre croche-pattes. De quoi? Avec deux, ça n'aurait pas marché. Non, mais l'autre, ça marche pas. Bah, c'est ce que je dis. Je suis sûr que ça aurait marché, je t'aime en fond de temps. Et la piste, vos mains se sépareront immédiatement. L'hypnose permet de rétablir les capacités mentales. Démonstration, voici une calculatrice. Tiens, monsieur, vous avez rentré les chiffres que le reste du public va nous donner. En bord de piste, on annonce un chiffre à haute et intelligiblement dès qu'on vous tend le micro. On y va, premier chiffre. 10, 6, c'est ça? D'accord? Entre 1 et 9. 9. Après, on va y aller. 3. Tapez donc 69,3. Ceux qui ont la fonction calculatrice peuvent effectuer l'opération avec nous. On continue. Un autre chiffre. 6. 6. 4. Arrête, s'il te plaît. Regarde un petit peu. 8. Parfait. Tapez donc 69,3 multiplié par 64,8. Tout à l'heure, vous confirmerez si la réponse est exacte. Pour le moment, vous la gardez pour vous. La personne que je touche maintenant, selon la personne que je touche maintenant, sur le compte de 3, vous revenez au conscient avec les facultés d'un prodige du calcul mental. Attention. 1, 2, 3. Ouvrez les yeux. Votre prénom, madame, mademoiselle? Laurine, on va vous installer. Un instant. Ok, réveillons un autre sujet. Ah, on a le choix, c'est ça. Bien, sur le compte de 3, vous ouvrez les yeux avec des capacités de lecture de la pensée et perception extrasensorielle. 1, 2, 3. Ouvrez les yeux. Bonjour, on va vous installer sur cette chaise. Juste un instant. Ok, bien. La personne que je touche maintenant est seulement la personne que je touche maintenant. Toujours les yeux fermés, toujours hypnotisés, vous allez bouger votre corps dans ce monde de rêve. Je vais vous guider en bord de piste. Bougez, bougez, les yeux fermés. Vous vous concentrez uniquement sur le son de ma voix. Je vais vous mettre en bord de piste. Et lorsque vous serez en bord de piste, vous n'aurez qu'un désir. C'est de suivre le bord de piste. Vous marcherez, marcherez, marcherez. Tournerez en rond tant que je n'aurai pas dit le contraire. Mettez vos bras ici, raide, dur, rigide. Sur le point de voir, vous ouvrez les yeux. Si vous voulez, marchez. 1, 2, 3, marchez, marchez, marchez. Bien, Laurine, c'est exact. Dans un instant, vous allez pouvoir nous dire combien font 69,3 millions. La pauvre, c'est celle qui a l'air d'une conne. La pauvre, c'est celle qui a l'air d'une conne devant tout le monde. Dites-nous maintenant.
4490,64. Oui maman, c'est vraiment le résultat. Encore une fois. 4490,64. C'est vraiment le résultat. Correct. Oui. Tout va bien? Oui. Parfait. Dormez. Il n'a pas respecté. Nous continuons. L'hypnose permet également la lecture et la transmission de la pensée. J'ai besoin de 4 personnes au hasard. Où tout le monde lève les bras, les jeux de la chaussure. On va prendre madame qui lève pas le bras, justement. Ne vous cachez pas. Levez-vous, madame. Tiens, on va prendre le bras de mieux. Vous, monsieur, qui se cache derrière le poteau, vous levez. On continue. Vous, madame, s'il vous plaît, levez-vous un instant. Merci. Nous continuons un peu vers le fond. Tiens, vous, madame. Non, n'ayez pas peur. Je comprends. Levez-vous, levez-vous. Ok, levez-vous. Okay. Ces 4 personnes, sur le compte de 3 uniquement, vous allez vous concentrer sur un prénom et une couleur. Nous sommes d'accord? Attention, on me regarde sur le compte de 3. 1, 2, 3. Ça y est? Oui? Oui? Ok, vous allez pointer notre sujet du doigt en vous concentrant sur. Pointez, s'il vous plaît. Sur. La couleur. Chaque prénom et cette couleur. Votre prénom, madame? Céline, dans un instant, vous allez être en mesure de lire dans les pensées de plusieurs personnes. Si c'est correct, je compte sur vous, vous levez le bras vers nous. Ça n'est que dans leur tête, chers amis. Nous sommes au point de réaliser un miracle sur ce chapitre. Attention. Fermez les yeux, laissez-vous aller. Et l'information vous parviendra. Adam. Rose. Noémie. Rouge. Emma. Rouge. Aiden. Rouge. Merci de vous avoir donné votre place. C'est la sujet sur son livre avec nous qui crée la piste. En possession de ma nouvelle faculté. Bien. Personne ne touche maintenant, vous revenez au conscient, parfaitement réorienté de l'espace, vous pouvez regagner votre place, toutes les suggestions ont disparu, vous sentez parfaitement bien, parfaitement regroupé. Aussi, 1, 2, 3, ouvrez les yeux, revenez au conscient, vous sentez parfaitement bien, vos mains se séparent, vous pouvez regagner votre place. Aussi, sur le compte de 3, 1, 2, 3, ouvrez les yeux, regagnez votre place, on va vous aider, parfait. Ok. Sur le compte de 3, dans l'autre sens, 1, 2, 3, l'autre sens, marche. La personne qui touche maintenant, toujours hypnotisée, vous allez vous concentrer sur ma robe, toujours fermée, vous allez bouger votre corps, vous allez séparer vos deux mains, mettre les bras le long du corps, coller les deux pieds ensemble, serrez les poings, serrez les poings, serrez les poings, serrez les poings. Revenez au conscient qui peut serrer les poings, voilà, parfait. Maintenant, concentrez-vous sur moi, faites exactement ce que je vous dis. Maintenant, vos poignets s'attachent à vos cuisses, vos coudes se collent le long de votre corps, vos épaules se contractent et durcissent. Vos genoux s'attachent, les pieds s'attachent, vous êtes un vrai chemin de fer, impossible de vous casser, impossible de vous plier. Votre colonne vertébrale maintenant est droite, dure, rigide, tous les muscles de votre monde se contractent. On va vous mettre entre deux éléments immédiatement, vos hanches vont se soulever vers le haut, rejoindre le ciel, arc-boutez votre corps, raide, dure, rigide, impossible de vous plier, impossible de vous casser. Je vais mettre deux petits poils dans votre corps, immédiatement, celui-ci les expulse vers le haut. Attention, les voici, raides, dures, rigides. De joie, vous éclatez rire immédiatement sur le compte de 3. Je vous mets en face du public, attention. 1, 2, 3, ouvrez les yeux et vous éclatez rire. Merci beaucoup, vous pouvez regagner votre place. Merci à tous et dormez bien. Elle est morte de rire.